Eh salut les petites gueules, petite intro, comme j'aimerais le faire un peu plus souvent sur les jeux, histoire de vous donner quelques informations. Donc là, on joue à Overprime Paragon, qui est grossièrement un remake, un revive du vieux jeu Paragon, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, un MOBA fait par Epic Store au départ, et quand ils ont stoppé le jeu, eh bien, ils ont laissé tous les modèles en mode tenez, prenez, ceci est notre jeu, faites-en ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il y a des jeux qui reprennent les modèles dans d'autres trucs, etc. Et bah là, pour le moment, le jeu est en test, encore gratuit sur Steam. N'hésitez pas à le chercher pour demander l'accès. Et puis voilà, en tout cas, j'avais pas le temps d'expliquer un peu ça au début. Parce que, y a eu un gros coup d'excitation quand le jeu s'est lancé, que j'ai vu que la game avait proc instant, j'étais pas prêt. Donc, je voulais vous donner quelques précisions. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour, en tout cas dans les commentaires. Et bah, j'ai plus qu'à vous dire, profitez bien, bonne game! Usgural! Hey, salut les petites gueules, bienvenue dans Paragon. C'est incroyable, je ne pensais pas redire ça un jour, et pourtant c'est bien là où nous en sommes. Je sais plus de quoi prendre. Ok, je prends des potions. Alors, je joue Gideon, je suis mid lane. C'est trop bien, c'est beaucoup trop bien. Comment on fait les spells déjà, ce contrôle? Okay. Portail substantiel, chute météorite, c'est le A, voilà, c'est le A. La voie du milieu, c'est ici. Donc, pour rappel, Paragon, c'était le grand concurrent, l'adversaire incroyable de Smite à l'époque, chez Epic Games. Et le jeu, malheureusement, a fermé ses portes. Et résultat, ils ont dit, on va vous laisser à disposition. Ils avaient dit, on va se concentrer sur d'autres jeux, tel Fortnite. Et Fortnite a explosé par la suite. Alors que si on avait fait l'inverse, qu'on s'était concentré sur ce jeu, hop, je plaque, on reviendra après sur ce qu'on peut faire. Merde, j'ai pris. Ah non, j'ai le portail, on est d'accord. Jump dash. Boum. Boum. Donc je suis mid, je suis mage. Bref, on racontera la vie du jeu plus tard. Je peux prendre l'élastique, c'est important. Dès que la vie est rouge, c'est qu'on peut les prendre, l'élastique. Pourquoi on est deux sur la mid lane, connard? C'est jungle, je crois. J'espère. Et donc, on va tenter de redécouvrir. J'ai juste même pas fait le tuto, donc j'ai vraiment rien fait. Le jeu est actuellement en gratuit, bien évidemment, comme il était à l'époque, mais surtout il est en demande d'accès sur Steam. Donc n'hésitez pas à demander l'accès si vous voulez y jouer, si vous voulez retrouver ces sensations incroyables que peuvent fournir Paragon, qui était donc du gameplay à la Smite, mais avec. À la Smite, c'est. Oh, très bien, level up. Orbe magique. Distorsion, vas-y. Hop, parfait. Hop, ouette. Embour. C'est pas bon, on va se cacher. Comment on a. Potion de vie. Non? Bâtard, tu vas me prendre la potion de vie ou la. Allez, boum! Boum, ça meurt! Pourquoi il va pas utiliser la vie? C'est bon, c'est pris, parfait. Ok. Donc, oui, ça permettait de jouer en TPS MOBA, mais avec cet aspect un petit peu, vous voyez, du relief, etc. C'est vraiment trop trop bien. Et donc, gratuit, comme j'expliquais avant, le gratos. Et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il me bourre dessus autant? Mais fous-moi la paix! Alors, je peux activer le mode dash, hop, voilà, et là, je vais plus vite, mais faut pas que je me fasse hit pendant l'activation. Allez, boum! Là, t'as pris la dose. T'as pris la dose, mon pote. Je pense, vous me direz, hein, clairement, dites-moi dans les commentaires si ça vous botte, mais je pense qu'on va en faire plusieurs des games sur ce jeu en record. Moi, je suis hypé. Il y a eu plein de boîtes qui ont repris, en fait, le jeu, vu qu'ils avaient donné donc, gratuitement tous les modèles. Et le problème, c'est que tout n'était pas bon. Il y a eu des échecs cuisants, il y a eu des boîtes qui ont. Ils se sont dit on va le refaire en mode payant le jeu alors qu'à la base il restait quand même gratos, donc avec tout ce qui va avec un jeu gratuit, payé pour avoir du perso, etc. Mais là je touche, yes! Alors t'as plus de vie là t'as plus de vie, je vais te dasher mon pote. Allez! Allez! Allez putain, est-ce que c'est un bot? Faut juste que je fasse gaffe parce que là, il y a un jungle carré, je suis dead. Hein. Je suis assez désordonné dans les infos que je vous donne parce que j'ai pas du tout prévu. Est-ce qu'il y a un bac? Oui.
J'ai vraiment pas du tout réfléchi avant de... Je vois qu'au bon moment, il y a le jungle adverse qui vient d'arriver. Alors, on va ouvrir puissance magique. Alors, j'ai pas du tout regardé tous les objets. Ok, tous les objets puissance magique, ça ressemble à quoi? Au livre. Le livre, il est où? Là, ok. Ouais, c'est là où je me dis j'aurais peut-être dû... puissance magique. Du coup, on va prendre ça. C'est acheté? Yes. Comme j'ai pas du tout... Je crois qu'on a un mec qui a déco. Comme j'ai pas du tout... Ouais, il a déco. Comme j'ai pas fait le tuto, j'ai pas pris le temps de regarder le shop, alors je vais être complètement pourri dans le shop, dans ce que je vais acheter, c'est pas grave. Le jeu avait eu pas mal d'évolutions, hein. Il avait... Il a détruit ma carte ? Non. Alors de souvenir, Gideon, le perso que je joue, a un ulti façon Hades. J'en parle parce que je vais pouvoir l'ulti bientôt, si je ne me bourre pas. Distorsion, Orb... Non, c'est niveau 6. Ok. Ah, il y a un allié qui est mort. C'est nul, ça ne se montre pas, monsieur. Allez, le petit. Ah merde, c'est un peu pas une bonne idée. On va avoir un... Et que l'élastide qui donne de la thune, hein. On est vraiment sur du jeu à la LOL, Dota, on n'est pas sur du Smite où tout le monde prend de l'argent et c'est la tête du sous-bar. Ah oui, j'ai un TP connard. Allez, tu dégages. On l'avait pas encore utilisé, j'ai un peu eu peur de faire un très mauvais placement. L'ulti c'est R. Ok. Alors sachant qu'on peut se TP, donc comme je viens de le faire, au-dessus de la team et faire l'ulti en l'air normalement, si c'est toujours possible. Et ça c'était vraiment pas très très sympa. Hein. Les mecs ils sont là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce que hop, si je vois. Mais y a pas de dégâts dessus, donc je peux faire ça autant que je veux. Power destroyed, ok. On va aller gank. On va aller gank, on tente. Mais en fait, je gank, mais je suis tout seul. Hein. Je suis tout seul, mon allié n'est plus là. Je vais mourir, je fais de la merde. Il y a de l'argent à faire. Non, on va pas back là maintenant. C'est une bonne idée. Ah si, peut-être. Gideon adverse. Ouch. Est-ce que j'ai pas beaucoup de mana okay. En fait, je sais pas que j'ai pas beaucoup, j'ai plus de mana surtout. Ah, il y avait pas les VGS de souvenirs donc. Ah, il en a buté un, ok, parfait. Est-ce qu'on peut tuer l'autre? Parfait. J'ai ulti dans le vide! Plus la merde. Plus grave la merde ce que je viens de faire. Dommage. Dommage, mais tu te rapproches! Et tu meules! Tu meules dans d'atroces souffrances! Oh putain. Ok, go. On avance. On back. Et donc, ouais, il y avait une énorme map au début sur ce jeu. Ils ont complètement... Vas-y, je prends ça. Ça a l'air d'être cool. Ils ont complètement viré et ils en ont mis une plus petite. C'est celle qu'on a ici. Qui fait que les games étaient plus courtes. Ce qui était vraiment une envie hein, des développeurs à l'époque. Moi, j'aimais pas trop cette map. J'avais arrêté de jouer à ce moment-là. J'avais beaucoup joué au début quand le jeu était en very, very early access. Fallait un fou. Fallait acheter un fou de frac pour y jouer. C'est un échec, hein. J'ai fait un zip, mais il n'y a pas eu de tir. Et de souvenir, l'équivalent du Fire Giant, du buff jungle de endgame, c'était un peu comme un ballon de basket qu'il fallait ramener à la base. Donc une fois que tu l'avais tué, le mec, il y avait quelqu'un de tourné qui avait sur lui, qui était visible sur la map. Et tu devais aller le déposer dans ta base pour avoir le buff. Et ça, c'était très drôle parce qu'en fait, tout n'était pas dans le fait de tuer le creep, mais surtout de pouvoir le ramener après coup. Donc, vraiment une idée intéressante au niveau du gameplay. Pourquoi t'es chez moi, toi, plutôt que de défendre je sais pas où. 12-3. Pour le moment, on leur éclate la gueule. Hein. Je suspecte le fait d'avoir des bots. Mais comme le mec chez nous n'a pas été remplacé par un éventuel bot, c'est très bien. On va continuer de push.
les creeps. On upgrade. Pareil, hein, le système du shop, là on est sur des items qui s'upgrade, machin, tout ça. Avant c'était un système de cartes très bizarre. Enfin, très bizarre. Surtout qu'il permettait pas de rachat, il fallait choisir un deck. Et après t'étais baisé avec ton deck toute la game et il ne permettait pas de répondre à toutes les situations. Si t'avais pris un perso tank, t'avais pris un build tank dedans, tu pouvais plus switch après sur un DPS si pour le coup il manquait du DPS dans ta team. Ce qui fait que c'était assez handicapant à vrai dire. Donc c'est des choses qui ont évolué et vivement que ça sorte, parce que là pour le moment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en playtest, mais ce jeu il est voué à sortir très très bientôt et c'est vraiment la meilleure bouture qu'on ait pu avoir sur Paragon depuis sa sortie, c'est son extinction, on va plutôt le dire comme ça. Yep. Et on est fou. Je pense que je vais mourir après ça. Hein. TP-toi. Raté. Ok, bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut filer des PV aussi? J'ai déjà respawn? Non. Puissance PV. Vas-y, on prend ça. On rachètera une upgrade après. Donc voilà, les autres personnes. La DA du jeu est vraiment, vraiment très très chouette. C'est tellement dommage ce qui s'était passé sur ce jeu. Et puis il revient, quoi. Putain de merde. Ça, c'est trop cool. Regardez un peu les personnages qui sont là. Sevarog, l'espèce de Nazgûl qui mettait des gros pains qui t'expulse. En ulti, l'inhibiteur, l'équivalent des phoenix. Et donc en tout cas, ouais, Sevarog, c'est vraiment comme il y avait toute cette dimension de hauteur et tout, tu pouvais éjecter quelqu'un du combat et il ne revenait pas. Est-ce qu'il a TP sur lui? Non, c'est moi qui ai. Ah si, non. Fais gaffe parce qu'il y a un équivalent de Loki dans ce jeu. Merde, j'ai pas le... Je pensais avoir mon ulti, mais pas du tout. Oh, Louis, tu marches pas sur la souris. Tu marches sur le câble. On va baiser. Et il y a un perso comme Ra. Mais qui bourre toute la map à l'ulti. C'était vraiment trop bien. Hop, tu meurs, quoi. Murdoch, c'était trop cool, tu pouvais vraiment faire des gros snipes d'enculé. Putain, qui me tire dessus? Je me trompe, hein, dans les touches, c'est normal. J'ai vraiment pas du tout joué avant de proposer ça. Je me suis dit, la dernière fois que j'avais joué à mes anciens playtests de ce jeu, il n'y avait eu aucune game. Je me suis dit, oh, je vais tenter, je lance au cas où. Et en fait, il y a une game qui s'est proposée, genre, j'étais pas prêt du tout. Donc, sa puissance, annulation de la défense magique. Ok, on prend ça. Parce que ce que ça fera après, mais let's go. En vraiment full power pour faire full dégâts. L'esprit de prime est apparu. Ok, je me suis le subordonné, machin. Alors, il y avait effectivement à l'époque des espèces de trucs à faire dans la jungle pour récupérer du farm. Je sais pas du tout ce qu'il en est, à vrai dire. Je pense que je vais me pencher dessus. Je trouve le temps, hein, de me pencher dessus. Mais on y va, on le tue, ça c'est... Je pense que c'est peut-être un buff raid. Ou un boom, en vrai. Merde. Je peux pas mourir. Merci. Alors, vous avez obtenu esprit... Qu'est-ce que... Mais nique-toi, en fait. Merde, j'ai pas eu le temps de lire, connard. Pourquoi il est venu dans ma jungle, le mec? Je vais mourir. Faut que je te tue. On va prendre un peu de thune, un peu de farm. Le mec, en même temps, il a un skin. Je pense qu'il est pas là pour enfiler des perles. Je vais mettre de l'argent peut-être dedans. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire pour débloquer. J'ai vraiment rien regardé. Hop, on a upgradé l'ulti, ça c'est une bonne chose. Ça c'est le menu des compétences, qui est un peu caché par ma tête. Et par le fait que je touche pas tout. C'est dommage, on fera ça quand on aura plus de temps. Là, on est plus dans l'excitation de vous proposer du contenu, même si il est pas hyper quali. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. On va essayer de faire mieux dans les prochaines games parce qu'on en fera d'autres. Ça, c'est une certitude. Là, on a détruit l'inhibiteur. Donc maintenant, alors attention, est-ce que le cœur fait toujours les auto-attaques? Ok, il tire des boules. Avant, il faisait une AOE. On voit le nombre de serviteurs qui sont en. Et la AOE, elle cartonnait tout le monde. Donc c'était assez chaud.
Parce que les creeps pouvaient prendre l'aggro, mais pas totalement en fait, à cause de ça. Non, alors on va cancel ça. On va s'en aller. Là-bas, il y a Kalari. Attends, on va lancer le dash. Zip, let's go. Il peut pas m'attraper, Kalari, c'est le jungle adverse. Attends, il avait plus de vie, mais il est là-bas. Oh là 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 là, c'est même pas Kalari, c'est Arrow. C'est la connasse que je dead depuis le début qui s'est fait un Sever Rogue. Qu'est-ce qu'il a foutu pour mourir là-dessus? Et où Gisèle? T'es là! Oh putain! Je suis passé à côté, je l'ai pas vu! Oh, j'ai pu la merde! Oui, c'est ça, c'est exactement ça, monsieur, vous puez la merde. Oh nul! On va aller gank à gauche, ça a l'air bien. Hop, let's go. Level 8. Il est joli ce creep. Il doit pas être sympa, hein, mais il est joli. Allez, un ulti. Zip, zip, zip. Non, tu peux pas sortir, mon pote. Hein. T'as cru quoi? T'avais un bid? Non. Alors tu vas te faire fou. T'es mort toi. Oh, t'es mort. Ouais. Activer le dash. Au revoir. Est-ce que l'autre il vient m'aider? J'ai un doute. Il se fait le campement. Ok. Par contre, ça devient dessus. Est-ce que c'est. Ah oui, c'est un brouillard. Mais... Et de... Un autre de merde. Attends. Non. On va y retourner. Alors tu veux fuir, connasse? Prends-toi ça d'abord. Au secours, je sais pas c'est quoi tes compétences. La reine des neiges. Oh là 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 là. Ah là là, 25-11. Ils sont en train de remonter un peu par rapport au very early, mais ça ne suffit pas. C'est là où il nous manque quelqu'un, clairement, pour avancer de manière crado, mais... Ah bah c'est gagné. Bon bah ce sera une première game. Victoire. Ah ouais, j'étais en train de me dire, merde, c'est peut-être perdu. Première game de Paragon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, mais j'ai trop envie de dire... Et avec toi les petites gueules.